Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser le défi d'Aquaman de la semaine 2. Alors ce défi est assez spécial parce que ça fait un gros clin d'œil au roi des mers qui est Aquaman et vous allez devoir faire comme si vous étiez Aquaman. Alors je vous explique, ce que vous devez faire pour réaliser ce défi, c'est de surfer à dos d'un requin. Et pour faire cela, je vais vous expliquer ma petite astuce pour que vous puissiez réaliser ce défi assez facilement. Alors ce que je vous conseille, c'est dès que vous lancez la partie, vous rushez sur un hélicoptère. Quand vous avez réussi à récupérer un hélicoptère, vous cherchez une canne à pêche dans les alentours. Mais faites attention de ne pas vous faire voler l'hélicoptère. Donc je vous conseille d'aller chercher une canne à pêche dans des petits coins reculés. Là où vous pensez qu'il y a une canne à pêche, ben vous allez tout simplement voir s'il y en a une. Et s'il y en a une, vous la prenez. Ensuite, dans le défi, il est marqué que vous devez surfer derrière un requin à Sweety Sound. Alors ça ne veut pas dire que vous devez absolument trouver le requin à Sweety Sound. Moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher un requin n'importe où, mais bien sûr dans les alentours de Sweety Sounds, parce que sinon, ben, vous n'allez pas pouvoir traverser toute la map pour aller jusque là-bas, ou alors ça va être compliqué. Donc, trouvez un requin, et quand vous avez réussi à surfer derrière ce requin, vous vous dirigez vers Sweety Sounds. Donc, dès que vous voyez un requin dans l'eau, ben là, vous lâchez l'hélicoptère, vous foncez sur le requin, et vous essayez de pêcher le requin. Alors, c'est très simple hein, pour pêcher le requin. Vous lui lancez un hameçon juste à côté de lui et logiquement il va voir quelque chose bouger et il va vouloir l'attraper. Donc dès qu'il l'attrape, vous allez pouvoir surfer à dos de ce requin et vous allez pouvoir contrôler le requin comme si vous étiez Aquaman. C'est juste énormissime. Ensuite, dirigez-vous vers Sweety Sounds à dos de ce requin et là vous aurez réussi le défi d'Aquaman, vous aurez surfé sur un requin. Donc voilà les potos, vous aurez terminé le deuxième défi qui vous permettra de très prochainement débloquer et de pouvoir incarner Aquaman. En tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker mes potos, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. I'm Nick, bruh.